And I will restore to you the years that the locusts have eaten the canker worm and the caterpillar which the palmer worm, my great army, I sent among you. And you shall eat plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God that hath wondrously with you, and my people shall never be ashamed. And you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord of your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward that I will pour out spirit upon all your flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous sanctifions ce moment. Mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu prennes la place de tes pauvres. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair s'éteigne, que l'Esprit parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous croyons que c'est un jour qui est nouveau. We believe today is a new day. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui est vivant. And we believe our God is the living one. Nous allons parler de la restauration. We're going to talk about restoration. Car nous croyons que notre objectif, ou ce que Dieu poursuit dans notre because we believe that God's aim in our life is our own restoration. Et lui qui est le Dieu qui est vivant, il fera quelque chose dans notre vie. The living God shall do something in our life. Ce mois de septembre, nous voulons que ça soit différent des autres mois. Si tu crois avec moi, dis amen. From any other month. Nous voulons que ce mois de septembre, we want this September, que l'Éternel étende sa main dans notre vie. The Lord to lay his hand in our lives. Parce qu'après la conception, because after conception, le 9e mois, the 9th month, c'est le mois d'accouchement. Is the month of giving birth. Et nous voulons que quelqu'un durant ce mois, I would like someone this month, accouche de sa promesse au nom de Jésus. The promises in Jesus' name. Les choses qui tardaient, things that were being delayed, je veux dire qui étaient en gestation, that were in it being delayed, ce mois-ci, this month, l'Éternel des armées, the Lord of fera en sorte que quelque chose se produise au nom de Jésus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bon? Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le livre de Joël. We are in the book of Joel. Laissez-moi un peu donner la contextualisation de l'esprit du livre de Joël. Let me put this book into its context. Et Joël, Joel, veut dire simplement, means, le nom de Joël, the name Joel, means, Éternel est Dieu, the Lord God, Yahweh est Dieu, Yahweh is God. Donc Joël veut dire Éternel est Dieu. Joel means Yahweh is God. Et Joël, Joel, a été écrit, was being written. Donc, dire, Joël, Joel, est classifié parmi les petits prophètes. Is classified amongst the small prophets. Non pas parce qu'il était petit. Not because he was smaller, mais à cause du temps qu'il a utilisé dans le ministère. But because of the time he spent in the ministry. Je veux dire ceci. I want to say this. Ce n'est pas que il y a des petits et des grands. It's not that there are big and small. Il y a des gens qui qualifient des grands pasteurs parce qu'ils ont des grandes églises. People call some other pastors great because they've got big churches. Mais nous devons faire très attention. But we must be careful. La grandeur de l'église ne détermine pas forcément la grandeur du pasteur. The church great, big, greatness does not mean the pastor's greatness. La croissance d'une église, c'est la grâce et la faveur de Dieu. The way the church grows is the grace and favor from God. Nous entrons dans des débats qui sont inutiles. We do debates on useless. Quoi que notre église est plus grande parce qu'il y a beaucoup de gens. Saying our church is bigger because we've got a lot of people. Si vous avez une petite église, c'est que Dieu n'est pas là. If you go to a small church, it means God is there. Très attention. Be careful. Parce que les voies de Dieu, because God's ways, ce ne sont pas les voies des hommes. Are no men's. Nous avons besoin. We need the church to grow. L'église va croître. Et l'église grandit. The church is to grow up, to grow and grow again. Mais l'un des pièges du diable. But one of the devil's thrusts. C'est d'amener les églises à se combattre entre elles. Is to push churches to fight each other. À amener les églises à se comparer entre elles. To compare themselves each other. Vous ne verrez jamais les musulmans se comparer. Les musulmans de Hanford vont se comparer avec les musulmans de Spébé. You never see Muslims from an area compare themselves to a
other ones from different areas. Vous ne verrez jamais les musulmans de Arabie Saoudite. You never see Muslims from Saudi Arabia. Comparing themselves to those from England. Ils comprennent qu'ils servent Mohammed. They all serve the same Mohammed. Mais nous les chrétiens. But us Christians. Vous avez les chrétiens de Birmingham. You see the Christians. Entre les chrétiens il y a la guerre. Fighting between themselves. Il y a des comparaisons. The comparison. Notre église. Our church. Notre église. Our church. Mais si Jésus. If Jesus is the same. Pourquoi nous se séparer? Why should we be separated? Pourquoi nous se comparer? Why should we compare ourselves? Pourquoi nous se diviser? Why should we divide ourselves? C'est ça ma question. That's my question. Pourquoi? Why? L'église est le peuple de Dieu. Nous devons nous réveiller. We must wake up. Ne tombons pas dans le piège du diable. Don't fall into the devil's trap. Si Dieu, if God, engraisse votre église, makes your church to become fat. Bénissez Dieu. Bless him. Louez Dieu. Praise him. Parce que votre temps est arrivé. Because your time has arrived. Amen. Amen. Yahweh est Dieu. Yahweh is God. Joël. Joel. Petit prophète. Small prophet. Mais ce qui m'étonne. What astonishes me? La Bible nous dit. The Bible says. Parmi les prophètes. Among the prophets. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. There's no bigger or greater than John the Baptist. Jean-Baptiste n'a pas eu un ministère depuis 2 ans. Although he never had more than 2 years ministry. Même pas 2 ans. Even two years. Mais Dieu dit parmi les prophètes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Among all those prophets, no one has ever been bigger or greater than John the Baptist. Bon, c'est que Jean-Baptiste est plus grand que Isaïe. It means John the Baptist is greater than Isaiah. C'est que Jean-Baptiste est plus grand que le prophète Élie. John the Baptist is greater than the prophet Elijah. C'est que Jean-Baptiste est plus grand que Ézéchiel. John the Baptist is greater than the Ezekiel. Bien-aimé, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Are not the human's mind. La manière que les hommes calculent, ce n'est pas la manière que Dieu calcule. The human thing is not the same that God does. J'aime Dieu parce que dans ces calculs, le néant, l'inutile peut avoir de la valeur au bénéfice. In God's mind, the useless thing can become useful. Parce qu'avec Dieu, lui, il ne prend que des gens qui sont inutiles. Because God only uses those that are useless. Dieu prend des hommes qui n'ont pas de valeur. God uses people without any value. Pour leur donner de la valeur. To give them a value. Pour leur donner de l'estime. To give them a value. Il est le Dieu qui est vivant. He is the living God. Parmi les fils. Among the sons. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. There's no one greater than John the Baptist. Je veux dire aussi à quelqu'un. I want to tell someone. Dans votre famille. In your family. Même s'il y avait un plus grand. Even if there was the greatest. Dieu est le maître des temps et des circonstances. God is the master of time and circumstances. Mais Dieu peut t'amener du néant pour aborder les grandes choses. God can take you from not just those that are useless. Et Joël. Joel. Oh, avant d'entrer dans mon message, je vais encore ouvrir une petite parenthèse. Before I go into my message, I want to open a bracket. J'ai partagé avec la sœur Christine. I've been sharing with sister Christine. Je sais peut-être que vous avez eu le temps de regarder cela. Maybe you found the time to watch it. Il y a toujours des choses bien aimées qu'on doit partager avec l'Église. There's always things that you have to share in church. Il y a eu un débat pour dire est-ce qu'un chrétien peut prendre de l'alcool. There was a debate saying can a Christian drink alcohol. Et le monsieur, vous savez, bien aimé, il faut avoir l'habitude d'utiliser la langue que tu maîtrises bien. You know, c'est avantageux pour it's toi. It's good for you to use the language you understand well. Parce que si tu comprends mal le français, tu risques de mal interpréter aussi. Because if you don't understand French well, you may interpret it in the wrong quand way. Quand quelqu'un ne sait pas placer l'air, mets-le. When somebody is not able to use the proper the quand quelqu'un ne sait pas faire la différence entre la bière et le vin, c'est un danger. When somebody is not able to make a difference between wine and beer, that's comme, comme disait une maman à Abidjan. As a mom said in Abidjan. Pastor, dans votre église, in your church, vous êtes danger. You are dangerous. Vous êtes danger. You are dangerous. Si vous ne pouvez pas interpréter, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un plus grand danger ici qui peut interpréter mon problème? Is there any dangerous person that can interpret or translate my problem? Parce que je suis dans le danger. Because I'm in danger. J'ai besoin d'un danger pour interpréter mon danger. I'm in danger. I want a danger to interpret my danger. Et quelqu'un ne sait pas faire la différence entre la bière
If somebody cannot make the difference between wine and beer, les chrétiens peuvent prendre l'alcool. They say, can a Christian drink alcohol? Oui, les chrétiens peuvent prendre le vin. They say, yes, a Christian can drink wine. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le vin à 17% pendant qu'il y a de la bière à 3%? Do you know there's wine with 17% alcohol? Frère, chercher la popularité, c'est un problème parmi les chrétiens. To become popular is an issue among surtout les prophètes qui frisent leur cheveux avec le béamia là. Mostly with those prophets with funny haircut. Bien aimé, cherchez la popularité. Try pas mener les gens en enfer. You lead people to the hell. Je vous dis la vérité. Pas mener les gens en enfer. You lead people to hell. Il explique, c'est-à-dire, dès qu'il commence, je dis voilà les gens qui amèneront les autres en enfer. When he start explaining, I said these are kind of people that live. Les gens cherchent des termes de popularité pour attirer les gens parce qu'ils savent que dans les églises il y a des sous-marins qui boivent, mais qui sont dans les églises. Because they know there are people that drink alcohol but hiding in churches. Maintenant, on va les aider pour qu'ils soient là, pour les maintenir dans l'église. Now we're going to help. On ne maintient pas quelqu'un dans l'église en cachant la vérité. You know where to keep someone in the church by hiding. Vous connaissez la vérité vous approchera. Nous sommes arrivés dans un camp bien aimé. Les gens qui doivent être dans l'église sont des gens qui connaissent la vérité. La vérité fait toujours mal. The truth always hurts. J'ai dit la vérité fait mal. The truth always hurts. Il y a des choses pour lesquelles on croyait que c'était bon. Things that we thought were good. Mais avec la vérité, nous avons dit que c'était pas bien. We've seen they're not good enough. Les gens qui prennent la bière. People les gens qui prennent le vin. Beer and wine. Moi, je les appelle les gens. Je les appelle pas les chrétiens parce qu'un chrétien, je vais arriver. Un chrétien, je vais dire un disciple ne prend jamais le vin. Un disciple ne prend jamais la bière. Wine or beer. Amen. Je sais qu'il y a des amens de modéler les amens. I know that. Même si tu es là, aujourd'hui je vais te parler ouvertement. I will talk to you openly today. Parce que l'Église doit apprendre des choses. Because the church must teach things. Jésus n'a pas dit. Jesus never said. Allez faire de toutes les nations les chrétiens. Don't go and make everyone Christian. Mais allez faire de toutes les nations des disciples. Go and make them disciples. Amen. Amen. Les gens prennent toujours le verset que Jésus a multiplié le miracle que Jésus a multiplié. People always say Jesus multiplied wine. Toi, tu avais vu la teneur du vin de Jésus. Have you ever seen how much alcohol? Deuxième chose. Secondly, les gens qui défendent disent que those that defend say, Paul a dit à Timothée pour les problèmes de stomac. Toi, tu as un ulcère à l'estomac. Timothy, because of his stomach pain. Do you have stomach pain? Il y a des gens, toi, il y a des gens qui prennent la vérité. Say, Ven les dames. When they eat it. Est-ce que tu ne peux pas prendre de l'eau quand tu manges? Ça va pas t'aider. Don't you drink water when you eat it? C'est pourquoi il y a des chrétiens qui camouflent cela. Vous allez prendre un chrétien avec des. Comment on appelle la bière avec des bouteilles là? Panaché. Qui consomme 5 panachés. Qui a 0 combien pour ça? 0,5. Quand tu multiplies par 5, ça fait combien? That's why Christians are drinking panaché. Drinker. Il y a des gens qui, dans le monde, comme ils viennent dans le Seigneur, ils veulent camoufler ça. Change complètement. You change completely. On lui pose la question. C'est pas mon sujet, mais je dois le dire. It's not my on lui pose la question. Justifie cela. Can you justify? Dis non, Jésus a fait le miracle. Jesus made a miracle. Mais il faut prendre les choses dans le contexte. You have to take things. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Le vin symbolise la joie. Wine shows Jesus change the water into wine. Vous faites très attention. We must be careful. J'ai questionné Dieu un jour, Nathalie. J'ai posé la question à Dieu parce que ça me révèle. Moi, je suis de la race différente. Hein? I'm a different race. Je n'ai jamais pris la bière. Never had drunk wine or je n'ai jamais fumé dans ma vie. Never smoked in my life. C'est pourquoi j'ai vécu longtemps. That's why I'm a chalet. C'est quand même quand vous me voyez, vous voyez, je suis jeune. Je That's suis why always. That's why I always look younger. Pourquoi? Why? Bien-aimé. Beloved. La Bible nous dit. The Bible says. Lorsque Abraham, suivez-moi très bien. When Abraham. Lorsque Abraham. Abraham. A payé sa dîme. La Bible dit que Lévi aussi avait payé sa dîme. Suivez-moi, je commence. Lévi aussi avait payé sa dîme. Amen. Amen. Et lorsque
la bénédiction est arrivée pendant entre les 12 enfants de Jacob. And when the prince Israel among the 12 children of Israel. Il y a un enfant d'Israël de Jacob qui n'a pas reçu la bénédiction. There's one child that never had the blessing. C'est qui c'est? Who's that child? Amen. Amen. Lévi. That was Lévi. Lévi n'avait pas part d'héritage. He never had a share of heritage. God said, par rapport à Lévi, according to tu vivras des 11 autres tribus. You shall live on the back of 11 tribes. Devaient travailler et payer la dîme aux Lévites. They had to work and pay their tithe towards. Qu'est-ce qui était comme prescription pour les Lévites? And what was it? Les Lévites ne devaient jamais prendre les boissons à des fins alcooliques. They were commanded never to drink any alcoholic drink. Je dis à Jésus, ça ne suffit pas. I told Jesus, that's not enough. You have to expect it. C'était les sacrificateurs. Because les gens vont me dire que c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Allô? Amen. Les gens vont me dire que c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Old Testament. Alors moi, je rentre maintenant dans le Nouveau Testament. Now, go back to the New Testament. Prenez votre Bible avec moi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. You book with me in the book of Revelation, chapter 1. C'est là où Dieu a terminé mon débat. That's when God finished my debate. Apocalypse, chapitre 1. Revelation chapter 1, verset 5 et verset 6. Verse 5 and 6. Moi j'ai tué là. Aujourd'hui c'est pas bon. La Bible dit, nous allons commencer à pouvoir chapitre 1 à partir du verset 4. La Bible dit, Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Suivez-moi maintenant. Follow. Les Lévites étaient les sacrificateurs. Lévites were priests. Et Apocalypse nous dit que Jésus a fait de nous le royaume de sacrificateurs. Revelation says that we are the kingdom of priests. Cela veut dire en tant que sacrificateurs, nous devons obéir à une loi de s'abstenir des poissons enivrants. Which means as priests, we have to abstain from drinking alcohol. De ce fait, nous comprenons que je ne parle pas aux chrétiens. Un disciple ne soit jamais courir derrière le vin ni la bière. Therefore, a disciple should never run behind beer or wine. Amen. 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 Il y a des choses pour lesquelles on n'entre pas trop dans les débats. But things for which you should not go into deep debate. Je vais prendre un peu de vin pour mon estomac. Tu n'as pas mon estomac. Viens, on va prier, tu seras guéri. Come, we shall pray and you'll be healed. Pourquoi tu veux toujours être malade? Why do you always want to be healed? Comme quelqu'un qui m'a dit un jour. Like somebody told me one day. Il avait un problème au niveau de son genou. They had a problem with their knee. Il n'a pas voulu qu'on puisse prier parce que c'était dans l'histoire, dans l'histoire. They never wanted us to pray because it was one of part of the dans l'histoire, de GT, dans l'histoire de GT. The part of the statement. If they are healed, then the statement will become useless. C'est pourquoi il y a des gens bien aimés. That's why there are people. Pour terminer cela. To finish, je veux dire ceci. On say this. En tant que disciple de Jésus. As Jesus disciple. Abstenons-nous de ces choses. Abstain yourself from those things. Parce qu'un peu de vin. Because little one. T'amènera à deux. Which said, will call the second one, the third. T'amènera à quatre. And the fourth. Alléluia. Amen. C'est très important. It's very important. Abstiens-toi. Abstain yourself. Tu ne perds rien. Dis à celui qui a trouvé, tu ne perds rien. You are losing nothing. Dis à celui qui a trouvé, tu ne perds rien. Your neighbor, you are losing nothing. Comme il y a des gens qui gardent encore jusqu'aujourd'hui, ils ne prennent plus, mais ils gardent encore des bouteilles de Jimmy. Jimmy, hein? As people are keeping both big bottles. Ils, comme ils avaient acheté une bouteille de Jacques Daniel qui est coûté cher, ils mettent ça. Je ne touche plus, mais je garde ça. Because jour, tu vas rentrer. The big bottle, Jack Daniel big bottle, but they keep it in the house, saying this just as a souvenir. Il y avait un frère en France. There was a brother in France. Qui ne voulait pas me quitter chez lui, disons.
He never wanted to call me to invite me. But he was so very good in church. I don't know what happened. The wife invited me. Wow! Quand j'ai dans la maison, I entered into the house. Collection de GB, de GK, de Jacques Daniel. Collection of all kinds. De Jacques Daniel. De Jacques Daniel. Lui me dit non, je ne prends plus. Said I don't drink anymore. Mais pourquoi tu gardes ça? So why do you keep it? Pourquoi tu gardes? Why do you keep it? Il y a des gens pour compensation, ils mettent même de l'eau là-bas, ça va. Ils aiment bien prendre de l'eau, mais de la bouteille de Jacques Daniel. There are people that want to drink just water from those bottles. Tu n'es pas encore délivré de cela. You still are. Mais que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. For you in Jesus' name. Amen. Amen. Un disciple de Jésus, abstiens-toi au vin, abstiens-toi à la. Moi, j'ai déjà vu. I've already seen. Un jour, je vous parle de choses, c'est une parenthèse, je suis allé dans une église. I went in a church. Il y avait un service de Saint-Saint. They had Holy Communion. Et pourtant, ce qu'ils ont mis comme vin, c'était un vin. They used a real wine. Hey! Le jour, j'ai pris, avant de commencer à prêcher. Mon cœur commençait à tourner. J'ai dit, hey, mon estomac, pardon. Je pose la question avant de Saint-Saëns, c'est quoi les vins? Je ne veux pas que moi je sois l'occasion de chez vous, si vous soyez l'occasion de chez vous. Je ne prends pas. Même si vous considérez que je suis péché, est-ce que if they say it's wine, I just say that I'm not going to drink it. I don't want to be. J'ai dit quoi ce là? Et c'est à combien? 17%. Was 17%. Il faut voir comment ils prennent les vins. But you have to see how they were drinking it. Comment ils prennent les vins? How they were drinking it? Et c'est très important. And it's important. Joshua, carry. C'est très important de comprendre. It's important to understand. Alors je rentre maintenant dans mon message. Now I'm going back to my message. Et je parle sur la restauration. Talking about restoration. Et Joël. Joel. Le livre de Joël a été écrit pendant un temps critique. The book of Joel was written during that time. Je termine cela. Que l'entre parenthèses ne vous distrait pas. Amen. Et dans le livre de Joël, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Something happened. Le problème, c'est lequel? The problem is le peuple d'Israël, les sacrificateurs, ils ont abandonné le temple. Abandoned the temple parce qu'ils avaient faim. Because they were hungry. Et pourtant, Dieu avait dit, although God said, ils seront nourris. They shall be fed by the 11 tribes. Le 11 autres tribus les nourrissaient. 11 tribes were not fed. Je vais ouvrir une parenthèse. We're going to open a bracket. Chacun de nous fait un travail. Each one of us is chacun de nous travaille. Each one of us is tu peux travailler d'une manière sécurisée. Mais ce que nous faisons, but what we do, prêcher ma soeur, mon frère. Preaching, c'est un travail. Is a work. Pendant que toi tu dors, when you sleeping, moi je prie. I'm praying. Pendant que toi tu fais autre chose, when you do something, moi je lis la Bible. I'm reading the Bible. C'est un travail. This is a work. Fait, il n'y a pas un grand travail qu'un travail intellectuel. There's no a greater work than the one that you use in mind. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sont mieux, mais ce ne sont pas les gens qui transportent, mais les gens qui pensent. That's why the world paid people are not those carrying stuff, but those things. Pourquoi le travail intellectuel paye bien? Why is that work well paid? Parce que ces gens-là, because those people, ce sont eux qui sont des master plans. They are the master plans. Ce sont des gens qui planifient toutes choses. They are the ones planning. Et pour planifier, il faut avoir une intelligence. Plan, you must have the intelligence. C'est pourquoi on fait. Des fois, ça m'étonne. Sometimes, quand les gens disent que les pasteurs ne font rien, pastors are doing nothing. Les pasteurs sont là sans vous prendre. Only there. Dieu, mais je défie les gens. I'm challenging. Quel est le type? What kind of type? Quel genre? Or the people? Quel kind of life-changing man? Qui peut changer la vie de quelqu'un. Le 150, le 200 livres. 200 pounds, 150 pounds. Bien, mais chacun de nous doit apprendre à respecter le travail de l'autre. Each one of us should learn how to respect someone else's job. Je ne pense pas que c'est facile d'ouvrir la Bible et de tenir debout comme je me dis. Don't think it's easy to open the Bible and stand up and start talking as I'm. Il y a des gens qui sont des orateurs, mais qui ne peuvent pas prêcher la parole. There are people that are good speakers, but they can never preach the word. Mais il y a des gens qui étaient inutiles que Dieu a pris, prêche la parole. There are people that used to be
useless, but the God is used and they're preaching the word to you. Si Dieu te met à cœur, if God puts it in your heart, pastor, convinces you to do something. Je dis, si Dieu te met à cœur, if God puts it in your pastor, fais-le. To do good things for your pastor. Don't walk according to what people say. Si ton papa, if your father, si ton papa, if your father, pour ton argent, il commet le péché quoi? If your money, what is sin? Je dis à quelqu'un qui t'amène à la maison. Si ton papa est en vie, if your father ta maman is not, est en vie, tu lui envoies l'argent, il mange, il est content. Happy. Est-ce que tu vas commencer à publier partout? Moi j'ai nourri mon père. Are you going to be publishing everywhere? Mais pourquoi si ton pasteur, c'est lui ton père spirituel, if your pastor, et que toi tu lui donnes à manger, où est le problème? Where's the problem? Le seul problème c'est que nous n'avons pas d'enfants dans l'église. Nous avons des têtus et des rebelles. We have rebels and stubborn in church. Quand je n'insulte personne, dis d'abord. Parce que quand tu es un enfant, if you are a child, l'enfant quand il donne, moi quand je donne à mes parents, when a child gives to quand ma femme me donne à ses parents, c'est une joie. Vous savez moi que même les parents n'en ont pas besoin. Ils prennent l'argent de sa fille, but de son fils. Money from their son, ah, je suis content. They say I'm happy. Tu en vois. Une chemise à ton père. A shirt to your father. Et le papa porte. And the father. Il est content parce que son enfant est là. They are happy because. Mais pourquoi spirituellement les pères spirituels? So if the pasteur, ne peuvent pas bénéficier de ces choses. They cannot benefit from those quand things. Quand ils bénéficient, c'est un menteur. When they benefit from. Quand ils bénéficient, c'est un voleur. They are. Si tu lui poses la question, if you ask them a question, il vient voler quoi? What they rien, c'est ce que les gens disent. Nothing but what, that's what people. La première délivrance. The first deliverance. Que l'homme doit avoir. C'est la délivrance de pensée. Must have is from the mind. Amen. Amen. C'est ça le grand combat. That's the great fight. Frères et sœurs, je ne suis pas anti-blanc. I'm not against white. Mais moi je vois. But I believe. Tant que nous allons attendre tout de blanc, nous serons toujours des cas. As long as we shall wait everything from them. Excusez-moi. Je dis tant que nous attendons toujours. As long as we shall wait from blanc, nous serons des cas. From white people. Vous savez les crabes? Il y a deux types de crabes. But les crabes africains. The African ones. On a fait l'expérience. The experience. On a fait l'expérience. It's been experience. Les crabes africains. African. Vous pouvez les laisser. You can leave them. Demain. Vous allez les retrouver à la même position. You find them in the same position. C'est pourquoi les noirs. That's why. Nous sommes des PhD. Nous sommes des PhD. We are PhD. Cela veut dire pulling down. Expert. Pulling each one down. Cela veut dire quand quelqu'un doit monter. If someone wants to, nous allons toujours chercher quelque chose pour le ramener bas. We always do anything possible to bring. Nous sommes allergiques à l'élévation déjà. Allergic to every to someone. Quand quelqu'un est élevé, when someone is elevated, la première question, qu'est-ce qu'il a fait? What did they do? Comment il a eu l'argent? How did they get money? Il marche avec qui? Il est au bénéfice. Who is he hungry with? Il est quelqu'un de court de joie. There are somebody. C'est comme si le Dieu de la Bible, as if les bénéfices, ces gens-là, only those people. Idéologie est de pauvre. Ideology is to be poor. Pourquoi cela? Why? Parce qu'il y a des siècles. Because Léopold II, Léopold II a envoyé le missionnaire, sent missionnaire en Afrique, in Africa, pour inculquer aux noirs to explain comme quoi aimer les pauvres en esprit quand vous allez quitter le royaume. Dans le temps, les caoutchoucs. All the c'est pourquoi moi je me lève contre l'église catholique. C'est l'église catholique qui nous a abandonné. The church is the one that taught us those wrong things. Amen. Pendant que dit Amen, je vais parler. Amen. Pendant que les prêtres étaient exonérés de taxes. Why the priests were not paying any tax at all? Ils prenaient des achats de fortune, ils payaient pas de taxes. They were je parle de commerce and paying no tax. L'argent est. Ils prenaient tout. Ils s'étaient nourris. Ils mangeaient. Ils avaient tout dans le pouvoir. Ils étudiaient gratuitement. Studying gratuitement. Free of charge. Alors que why? Tout ce qu'ils recevaient, everything they had, venait de l'homme. Laissez-moi parler de l'homme. Let me talk about l'homme. C'est quoi? C'est un état dans un état. Is a state within a state. Lorsque les prêtres, when priests catholiques, nous nous sommes blancs. Où viennent les métis en Afrique? Where do those mistresses come from Africa? Je pose la question. I'm asking a question. D'où viennent les métis? The mistress in Bantundu. D'où viennent les métis au Bas-Congo? In Bas-Congo, those mistresses, where do they come from?
bêtise au mot, je ne sais pas si c'est au Ozaï ou quoi. C'est comment on l'appelle? Province orientale. Il vient de tout. From province orientale. Where are they coming from? Vous allez voir partout. You see everywhere. Ma soeur a étudié à Soa. Ma sister studied in Soa. Somewhere in Bandundu. Là-bas, il y a des métis qui venaient d'où? The mixed race. C'est vrai que là. Those priests. Engrosser les filles. The pregnant women there. Engrosser les filles. They used to pregnant women. Il y a des métis qui sont sortis à partir de là. And the mistress were born. Laisse ici en Europe, les jeunes gens, les garçons ont été abusés par des prêtres. Young men have been abused here in Europe. Et ces prêtres, lorsqu'on l'attrape, on l'amène à Vatican pour les blanchir. And when they get caught, they were sent to Vatican to be washed. Mais ici, lorsqu'un pasteur tombe, ça devient un problème. But when a pastor falls down, vous allez même accuser, parler auprès des catholiques, notre pasteur. And explain to them your pastor's calling. Go to Mali. Prenez-les. Et c'est très important. It's important. De comprendre cette réalité. To understand. Parce que nous sommes une église jeune. We are a young church. L'église catholique date des siècles et des siècles. Catholic church has spent. Ils ont des réserves d'or, tout ça non. They've got everything. Ils sont riches. They are rich. C'est un état dans un état. It's a state within a state. Nous commençons. We just. C'est normal. It's que normal. L'argent que l'église évangélique, tout ça doit prendre, doit venir des fidèles. That's what are normal for the money to come from you believers. Oh non, vous demandez, on va demander à qui? Who else do you want us to go? Je parle clairement, on va demander à qui? Who else do you want us to go? On va construire, auprès de qui? How do you want us to build it? L'église devrait nous réveiller. Soyez intelligent. Be intelligent. Soyez intelligent. Be intelligent. Moi, quand j'étais encore, moi j'ai étudié dans une école catholique. I studied in a Catholic school. Si vous êtes à Kinshasa, comprenez ce qu'on est quand même là. Moi j'ai étudié là-bas. Mais jusqu'à 6ème. Moi je n'ai jamais connu autre école que l'université Manoula. I never studied anywhere else. Mais vous voyez ce qui s'est passé. But you have to see what happens. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans. I don't need mais je vais attirer notre attention. I have to attract our attention. N'entrons pas dans ce débat là. Don't go into that debate. Servons notre Dieu. Let's serve our God. Soutenons l'Église. Let's support the Church. Soutenons les hommes de Dieu. Let's support men of God. Ce sont des hommes. They are men de Dieu. Of ils God. Sont, ils sont aussi des faiblesses. They have got weaknesses. Vous n'allez jamais voir. You'll never see. Un musulman. A Muslim. Allez critiquer son imam auprès d'un chrétien. Go and criticize an imam. Vous croyez que les imams sont parfaits? Do you think they're perfect? Vous croyez que les prêtres sont parfaits? You think priests are perfect? Non. No. Mais ils connaissent le principe de la discrétion. But they know the principle of keeping secrets. C'est ce qui manque auprès des chrétiens. What Christians are lacking. Les chrétiens tellement nous parlons en langue, nous voulons trop parler, nous ne bougeons pas les trop. Because we speak in tongues, we allow our mouth to say anything. Des fois tu n'as rien à dire, mais tu vois, sometimes you've got nothing to say, but you just. Comment ils ont fui la vie des autres? Ah, quelle méchanceté dans le christianisme. The wickedness. On va seulement quelqu'un commence à acheter, achète une voiture. Somebody buys a car. On commence à chercher. They start checking. C'est qui c'est pas tes pasteurs? Is that your pastor? Vous vraiment? You. À l'égal, en début, nous pas qu'on voit mais sa pasteur là dedans. You make your pastor rich. Vous voulez enrichir votre pasteur? You make your pastor rich. Où est le problème? So where is the problem? Où est le problème? Where is the problem? Moi je suis allé à Kinshasa. I went back to Kinshasa. C'était l'anniversaire de mon beau-père. Il totalisait 65 ans. 60 ans. 60 ans. Was my 60th father's dans l'avion, 65 ans. 65 ans. Je suis allé pour l'anniversaire de mon beau-père. I went for my father. Dans l'avion. In the plane. J'étais avec quelqu'un qui était un prêtre, moi je ne savais pas. Was with somebody that was a priest, I didn't know. Et je me suis retrouvé dans la ferme de mon grand-père. Beau-père, on était là et je vois le même prêtre qui était dans l'avion. I saw the same priest that was in plane with me. Qui est venu célébrer la messe. He came to celebrate the mass. Mon beau-père. For my family. Mon beau-père, c'est un cadre. Mais il faut voir quand les prêtres parlaient, mon beau-père a pris la tête de passer. Oh my God. While the priest was talking, my father-in-law humbled himself. Je regarde mon beau-père. I looked at him. Je regarde le prêtre. I looked at the priest. Je regarde mon beau-père. I looked at my father-in-law. I looked at the priest. Mais alors que nous, les chrétiens, nous, les pasteurs, quand nous parlons, il y a même des fidèles qui ne prennent pas pasteur, tu es exagéré. But while we pastors are talking, there are Christians pointing a finger to you. Qu'est-ce
ses doigts qui pointent dessus la soit maudit. May that finger be cursed. Nous devons bien, mais écoutez-moi. Listen to me, beloved. It's not because there are pastors that are doing rubbish that all pastors are the same. You always see pastors. What about yourselves? If it's you, you say you call yourself, you're just a believer. Ah, mon micro ici. Listen, listen, listen. Mon message, je vais dire ceci. Donc, cela veut dire. It means. Qui a des péchés autorisés pour les fidèles. Sins that are allowed for believers. Et des péchés autorisés pour les pasteurs. Are the sins allowed for pastors. Amen. Réveillons-nous. Quand je vous parle de vous, vous représentez seulement les chantiers déjà, pas vous. Je ne m'adresse pas à vous particulièrement. Pourquoi je l'ai dit? Why am I parce saying? Que dans, à l'époque de Joël, because back in the il y a des gens, il y a des sacrificateurs qui ont quitté les temples. Priests, some priests left the temple parce qu'ils avaient la famille. Because they had frères et sœurs. À un moment donné, lorsque tu es là, tu dois acclamer pour les pasteurs qui vivent en Europe. Sometimes you have to clap for pastors living in Europe. Nous travaillons. We work. Moi, je travaille lundi jusqu'à vendredi. I work Monday to Friday. Monday to Friday. Je travaille. Et je quitte la maison à 6h50. And I leave my house at 6. Et je reviens à la maison à 17h. And I come back at 5. J'ai des responsabilités en tant que père. I've got responsibilities as a father. J'ai des responsabilités en tant que mari. Responsibilities as a father. J'ai des responsabilités en tant que pasteur. As a pastor. Mais je le fais et je le fais bien. But I do it and work. Je suis un seul homme. Mais si je me sacrifie, if I sacrifice, ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité de faire la bénédiction. It's not because I don't have the capacity maman, to attract la bénédiction. Je ne sais pas que je n'ai pas. Moi, je parle bien. Je parle bien. I'm a good speaker. Oui, oui. Je I dis. Know moi, je parle bien. I talk well. Même si vous ne voulez pas accepter, if je parle bien. Don't want la bénédiction, même si je dis, one of the proof, evidence of a wonderful wife. Je parle bien. Je m'attends là, même si elle est fâchée, quand je parle des choses. When I talk about things, elle se calme. She comes down. Pourquoi elle se calme? Je lui parle des choses. Because I tell her things. Des choses qu'on ne dit pas. Things that cannot be said. Pas autrement, mais calmement. Calmly. Quand elle reçoit sa dose. When pardon. She gets her dose of the words. Ça me lève ma. Je veux dire ceci. I want to say this. Les sacrificateurs. The priest. Comment qui ça va? Les sacrificateurs. The priest. Ont quitté le temple. Left the temple. Parce qu'il y avait la famille. Because there was family. Ma soeur, mon frère. Il y a des pasteurs qui prêchent des choses parce qu'ils ont faim. The pastors preaching wrong things because they are hungry. Amen. Il y a des pasteurs qui prêchent des choses parce que la famille leur pousse à prêcher l'évangile des colères. There are pastors that preach things because the famine pushes them to preach the hunger. Si je vous dis la vérité, ils changent les messages parce que à la maison sa femme lui regarde et dit toi tu prêches mais nous on n'a rien. Il vient race de vipère. And he comes to gossip people in church. Vous savez pourquoi il est dit? Why does he say? Parce qu'il a faim. Because he's hungry. Mais la famille peut t'amener à faire des à dire des choses et à le faire. C'est des choses que tu ne t'attendais pas. Do things you never planned to. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous voyez un pasteur qui est en Europe, that's why, beloved, when you see a pastor qui se maintient, qui maintient l'onction, they keep the anointing, et qui travaille, and working, il faut l'encourager. You must encourage them. Ce n'est pas facile. It's never easy. C'est lui aussi qui ne travaille pas. Ne le critiquez pas. Don't criticize them. Parce que chacun de nous écoute ce que Dieu lui dit. Because each one of us listens to what God tells. Parce que l'apôtre Paul, à un certain moment, construisait les tentes. Et il vendait. Mais là, quand il allait dans notre territoire, on subvenait à toutes ces maisons. But when he was going to somewhere else, they used to be looked after. Parce qu'à l'église, il y a un moment où on construit les tentes. Because in church, the sign. Il y a un moment quand Dieu va ouvrir. But when l'église opens, ouvrira the church, aussi à mes maisons. The church will provide to our needs. Mais je n'en fais pas un cheval de bataille. But I'm not going to use it pour terroriser les gens. To terrorize pour amener l'évangile de la colère. Bring him the hunger. Moi je prêche l'évangile stress free. I'm preaching the gospel stress free. Mister. Amen. Stress free. I'm preaching je n'ai pas de stress. I don't have stress.
Auparavant, j'étais trop stressé avant de prêcher. I used to be stressed before. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon travail, j'ai risqué de mourir avant. Lord, I may die. C'est ton travail. That's not my work. Ah oui. Oh, alléluia. Amen. Tu es stressé pour les gens. You are stressed for people. Quand ils sortent. When they go out. Allô, ma femme. They start cursing you. Là, ma femme, la mission. Et t'as dit. Et vous êtes en stress. Tu as des problèmes avec les selles. You have problems with your stomach. Mange, bois. Eat and drink. La vie est longue et populaire. Life is so long. Ne t'arrête pas à cause de quoi que ce soit. Don't stop because of anything. Mais, oh, je rentre un peu dans mon histoire de journée. I'm going back to my story. Les sacrificateurs sont sortis du temple. Priest left the temple. Parce qu'il y avait des soucis. Because there was a sorrow. Quel était le souci? Was the sorrow? Il n'avait plus à manger. There was no food anymore. Et Dieu and God envoie maintenant Joël. Sent Joel. Joël avait la mission, he had a mission d'amener les gens à la restauration. To bring people back to restoration. Et c'est ça la vision de l'église évangélique. That's the vision of our church. Ramener Jésus dans le cœur de son peuple. Bringing Jesus back into par les enseignements. Through teaching. Afin de les préparer à l'enlèvement. To prepare them for the nous préparons l'église à l'enlèvement. Nous ne préparons pas l'église au mariage. Nous ne pouvons pas les peuples devenus des riches, à devenir des millionnaires. Qui est le millionnaire qui roule en enfer? Mais aussi le millionnaire qui roule au ciel. Quand tu écoutes la parole, quand tu obéis la parole, le million te suivront. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses lorsque tu mets en pratique les principes. Les principes feront en sorte que tu ailles là. When you begin to practice principles, they will make you go forward. C'est l'exemple que je vous donne. I'm going to give you an example. Il y a des fois des tables. Sometimes on people. Achète à comment on appelle encore sous bien IKEA. À IKEA. Tables that you can buy from Apple. Tu as la table, mais la table est dépiécée. But it's into pieces. Mais à l'intérieur, inside, il y a le plan. There's a manual. Maintenant, le manuel tu vas commencer à suivre. You should be following. Après avoir rassemblé, after you tu auras la table stable. You feel stable. C'est comme ça aussi avec la vie. That's how we. À un certain moment, tu vois que la vie n'a pas de corps. You see life is shapeless. Mais rentre auprès du master plan qui est dans tes yeux. Il va recadrer les choses. Il va t'aider à aller. Je parle de l'histoire de Joël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joël vient. Et il parle. Et quand il parle, il dit au peuple de Dieu, réveillez-vous. Il vole. Il vole. Et les gens qui courent derrière le vin. And people running behind wine. Réveillez-vous. Wake up. Dieu, quand Dieu fait quelque chose, il ne peut pas d'abord pas réveiller ce soir. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, réveille-toi. La révolution revolution ne peut pas commencer quand quelqu'un n'est pas décidé à être révolutionnaire. Dieu fait des choses, God does things, mais il a déjà tout créé. C'est à nous maintenant de se lever. Bien-aimé, le réveil nécessite ton effort. Revival requires your effort. Tu as déjà tout fait. God has done mais everything. Tu dois te lever. But you must si tu ne te lèves pas, if you don't rien ne va arriver. Si dans l'église, on ne se lève pas dans la prière, rien ne va arriver. Si dans ta vie, tu ne te lèves pas, rien ne va arriver. Bien. Notre christianisme est devenu faible à cause de cela. Weak because of that. Nous nous contentons des choses. We happy with nous sommes contents de là où nous sommes. We are happy about what we frère, are. Qu'est-ce que 10 000? Qu'est-ce que 20 000 livres? C'est quoi? 20, il y a des gens pour une fête qui dépassent 25 000. That's spent 25 grand voire plus. Even more. J'ai vu quelqu'un qui est allé faire son anniversaire 40 ans. That's one to il est allé à Dubaï. They went to Dubai. Dubaï pour son anniversaire. For the combien il a dépassé? Mais imagine qu'il a dépassé en un jour. Now que toi tu as dans ton compte que tu as conçu pendant 10 ans. But you have it in your account you keep for 10 years. Réveille-toi. Rise up. Réveille-toi. Wake up. Abandonne la distraction. Abandon distraction. Abandonne bien. Nous sommes subis dans des distractions inouïes. We are into useless distractions. Si tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu vas voir combien les gens sont distraits. Go on YouTube and Facebook, you shall see how many people are distracted. C'est pourquoi je fais l'effort d'être le moins possible sur Facebook. That's why I make a lot of effort to be. Moi, j'ai beaucoup à faire. Less time on social media. J'ai beaucoup à calculer, j'ai beaucoup à faire. A lot of things to do. Je ne suis pas là seulement pour regarder les photos des gens. Like, il vient sortir ses dents, il like. Non, non, non.
I'm not there just to watch people's picture and like them. That's it. Moi, je n'ai pas le temps d'exposer ma vie sur Facebook. I don't need to expose my own life on Facebook. Exposer ma femme, mes enfants, jamais. My wife, my children. Moi, j'expose seulement l'évangile. C'est tout. I only show. Je rencontre quelqu'un qui dit mais je ne vois plus les photos des enfants. I no longer see pictures. Je ne vois plus les photos de ma mère. Your wife. Je n'ai jamais besoin de voir. Viens chez moi à la maison. You want to see them? Come. Viens chez moi à la maison. Come to my house. Pourquoi tu veux voir sur Facebook? Why do you want to see them on social media? Viens chez moi à la maison. Come to my house. I need to see them. Pourquoi? Why? Bien, mais je ne peux pas m'exposer dans certains combats dans la vie. I don't want to expose myself in different kind of fight in life. Si je commence seulement à prendre des photos avec des costumes et tout ça, je vais, les gens vont commencer à dire, lui, il a beaucoup d'argent, même pas aidé. If I start taking pictures with my suit, people will say he's got enough money. J'expose ma femme, j'expose mes amis. Et je chante dans un combat, j'ai introduit ma femme et mes enfants dans le combat. Pourquoi? À cause de ça, c'est vous. Fight because of the social media. Dans la vie, il faut être sage. You must be wise in life. Il faut être sage. La sagesse commence quand tu commences à grandir. Becoming wise when you start growing up. Il y a certaines sagesses qui arrivent aussi avec des coups et blessures. Sometimes when you get beaten, then you become wise. Joël, je vais dans mon histoire de Joël. Et il arrive. When he comes, la Bible dit, the Bible says, il lance l'appel maintenant. He made a call. Ma soeur, mon frère, il y a une chose que nous devons considérer. There's one thing we must consider. C'est la repentance. Repentance. L'église. The church. Peuple de Dieu. People nous devons apprendre à se repentir. We must learn to repent ourselves. Il y a des choses que Dieu ne se manifeste pas parce que les chrétiens n'ont plus ce courage de se repentir. For which God never shows himself because Christians are no longer courageous enough to repent. On n'a plus le temps de la repentance. We no longer have the time to repent ourselves. Nous faisons des repentances comme Luc, c'est là qu'il connaît tout du pardon. You say, God, you know everything and forgive everything. Par rapport à ce que tu fais. According to what you do, go back. Je donne l'exemple de l'enfant prodigue. I give an example of the lost child. Cet enfant that child, a demandé à son père, donne-moi mes biens. Give me my j'aime partir. Le papa a pris les biens. Il a donné à l'enfant. L'enfant est parti. The child went. Il s'assied les biens. Enjoying his money. L'enfant est parti manger. The child, qui est-ce là? Qui est-ce? Joie. Rejoice. Il a tout dépensé. He spent everything. Il s'est rendu compte. And then il commence à se nourrir des carouches de porc. From the pits. C'est là où la repentance commence. That's la repentance commence lorsque tu prends conscience de ton état. When you become conscious of your state. L'état dans lequel tu te trouves, est-ce que c'est the bon? Situation, condition, find ce que tu vis, est-ce que c'est bon? Le niveau que tu es, est-ce que c'est le niveau de Dieu? Est-ce que Dieu est content de ton niveau? Are you happy with your level? Laisse-moi te dire, es-tu content de ton niveau? Are you happy of your own level? Il y a deux types de sorciers, les sorciers qui volent et les sorciers de cœur. There are two kinds of witches, the ones that fly and the ones that. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur parce qu'ils n'arrivent pas à penser. Les cœurs de Dieu mauvais, sorciers. They've got wicked hearts, they are witches. Sorciers. C'est witch. Pourquoi dans la vie, that's why in life, si tu échoues, ne deviens pas sorcier parce que tu as bien planifié. Don't become a witch because you. On échoue parce que ton papa ne t'avait pas envoyé dans une université importante. Je dis, on n'échoue pas. You don't fail. Oh non, je dis, tu échoues seulement parce que ton papa ne t'avait pas mis dans une école privée. Ne donne pas l'excuse de ton échec parce que tu n'es pas entré à l'université. Don't get you excuse yourself because you didn't want to go to university. Quand quelqu'un commence à expliquer toi ses échecs, when someone is explaining it, the failure, c'est mauvais. They are bad persons. Moi, je connais mes échecs. I know my faith. Et je ne donne pas ça même aux démons. And I don't even give it to mais je donne ça au manque de connaissance de cet état-là. But I give it to the lack of knowledge back in. Je vais vous donner un exemple. I'll give you an example. À l'époque, back in days, l'église, the church, j'ai travaillé à l'église. L'église prenait de l'envol. And the church was growing. J'avais commis l'erreur à cet état de ne pas travailler. I made a mistake not to work. Je me suis dit gentleman dans full time. I said I'm going myself. I went et j'ai souffert pendant ce temps. And I suffered. Non, pas parce que Dieu m'avait dit. Not because God Dieu m'a dit, mais ce n'était pas le temps. God told me, but that was not the time. J'ai fait souffrir ma femme et mes enfants. I made my wife and children suffer. D'abord, un niveau le plus bas de l'eau. To have the lowest level in Europe. Jusqu'à ce qu'un jour,
to the point. J'ai dit à ma femme, when I said one day, cette fois-ci, this time, si Dieu vient me parler, je vais discuter avec lui. If God comes and talks to me, I will argue with him. Il doit me donner toutes les assurances possibles. Have to give me all kind of assurance. Et voilà, depuis ce jour-là, since that day. Pourquoi? J'ai pris conscience que ce que j'ai fait, c'était pas bien. I became conscious that what I was doing was not good. Je me rappelle un jour, la pauvre femme m'a dit, I remember one day my wife tu vas faire quelque chose. Je lui ai dit, tu veux t'imposer contre mon ministère. I told her, do you want to stand against the ministry? Et comme elle obéissait, elle s'est tue. And because she was obedient, she mais quand j'ai compris cela, when I understood je suis rentré auprès d'elle pour demander pardon. I went to seek forgiveness. Parce qu'il y avait des choses dans ce temps-là, je ne comprenais pas. Because there were things that I would not. La repentance commence d'abord par la prise de conscience. Repentance starts when you. Chacun de nous, quand tu as tu verras que c'est là où tu es là, c'est à cause de toi. Each one of us, you see that you are where you are because of yourself. J'ai dit tu es là où tu es là. You are where you are because of yourself. Non, mettons d'abord les démons après, c'est à cause de toi. Don't blame demons. Yet, but it's because parce que tu n'as pas voulu faire un effort. Because you never wanted to make an effort. Et d'asseoir, non pas de prier. Not mais de t'asseoir. But to sit down. Et réfléchir. Think. Ma vie, je vais my où? My life, where am I heading? Je vais où? Where am I heading with my frères et sœurs. Brothers and sisters. Moi, tant que moi. As black. Le plus grand péché que nous avons commis. The greatest sin. C'est de venir en Europe. Is to come to Europe. Excusez-moi l'expression. Please. Quand j'ai dit péché, cela veut dire. It means. Tous ces gens. Qui sont restés, ont les yeux braqués sur toi. Et ils font des défis de vie par rapport à toi. And they've got challenges because of c'est pourquoi avant de descendre à la fin, tu as le cas de te préparer. Pourquoi te préparer pour leur montrer que tu as quand même réussi. Imagine que tu n'as pas réussi. Tu es hypocrite. You are just hypocrite. C'est pourquoi ne fais pas des choses parce que les autres font. That's why don't assis-toi d'abord, mesure d'abord ta vie. Sit down. Ça ne sert à rien. Que j'aille à Kinshasa, de penser mes 5000 que j'avais, pour voir seulement les gens qui j'essaie de venir, manger la chicoine, manger ceci, je prends le vitalo, après je rentre, j'étais à Kinshasa, parce que les gens disent, toi tu ne descends pas à Kinshasa, je ne descends pas à Kinshasa parce que les gens le veulent, je descends à Kinshasa parce que je sens que j'ai quelque chose à faire. Excusez-moi, moi je fais l'économie, moi je ne peux pas dépenser plus que ce que je dois recevoir. Spend more than what I can have. Non, je ne peux pas. Et je ne peux pas. Moi, quand je dépense, je dois récupérer plus que ce que j'ai dépensé. C'est pourquoi je n'aime pas faire le business des histoires. Parce que quand je le fais, je calcule, je dis, je dépense 1000, je dois avoir 2000. Si j'ai 1000, ça, j'ai perdu. That's why when I start business, I have to spend 1000 to gain 5000. If I get. Répondons-nous, frères et sœurs. Change ta manière de vivre. Change ta manière de penser. Ne pense pas comme tout le monde. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais il appelle à changer de direction. Changer de mode de vie. Écoute-moi. Ne pense pas plus que ta tête. Don't think more than your head. N'entre pas dans l'extravagance. Don't exaggerate. Moi je peux aujourd'hui acheter un costume, mais j'ai passé 2-3 ans avec un seul costume. I can afford buying a suit today, but I spent 2 si je peux acheter aujourd'hui, if I can buy today, il y a des choses aujourd'hui, je n'arrive pas. La minute d'après, je vais arriver. Mais je dépense par rapport à mes besoins. Je ne peux pas acheter un costume et laisser mes enfants affamés. Buy a suit and leave my children hungry. Je dois d'abord être sûr que ma femme, mes enfants mangent. Et je peux m'acheter un costume. That my family is fed. Parce que je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. I'm not challenging anyone. Je m'habille par rapport à moi-même pour être content par rapport à moi. J'achète la voiture parce que j'ai des moyens d'acheter la voiture. J'achète la maison parce que j'ai des moyens d'acheter la maison. J'amène mes enfants en vacances parce que j'ai des moyens d'amener dans le vacances. Je peux faire ceci si je peux. Mais je ne peux pas creuser mon compte, rester zéro parce que je dois aller en vacances. Non. J'entrais dans les choses, ou on me faisait entrer dans les choses que je ne pouvais pas supporter. Mais je le faisais à cause de l'entourage, je le faisais à cause des gens qui croyaient. On croyait quand on le fait, on est béni. La bénédiction ne s'écrit pas. La bénédiction n'est pas un outil de vengeance.
revenge. Donc parce que je suis béni, reste. Je vais demander maintenant pour dire, vous allez voir ces derniers temps. Vous allez... Donc, ma bénédiction n'est pas là pour chauffer les gens. The blessing is not there to mais je suis béni pour bénir les autres. Si tu es béni, il faut chercher. Quand les autres sont bénis, béniront Dieu. Tu n'auras pas le temps de prier. Mais leur prière montera devant le trône de Dieu. Et tu seras béni. C'est pourquoi dans la vie, repentons-nous. Rentrons au pied de Dieu. Rentrons au pied de Dieu. Du Seigneur. Comme l'enfant prodigue. Regardez l'attitude de l'enfant prodigue. Quand il vient auprès de son père, il prend conscience. Il dit, je vais rentrer auprès de mon père. Parce que mon père est toujours riche. Il rentre. Quand son père le voit de loin, il dit, waouh, ça c'est mon enfant. Il dit au serviteur, avant que l'enfant arrive, préparez. C'est mon fils qui est levé. Regardez l'attitude de l'enfant. Quand il arrive, il tombe sur les pieds de son père. Il dit, je ne mérite plus ça. Mais au moins que je sois comme des serviteurs. Voilà l'attitude de la repentance. Tu reviens avec humilité. Il pouvait venir pour dire, papa, tu es papa. C'est pas, il y a des gens quand ils viennent, demander pardon, pasteur. Tout ça, l'oreille. Tu es papa. The pride, you are tu dois me pardonner. You must forgive je suis un enfant. Il y a des choses qui peuvent arriver. Pardonne-moi. Regardez l'attitude de repentance. C'est-à-dire quelqu'un qui avait pour cœur. T'obliger à le pardonner. Obliging. Le pardon, c'est quelque chose qui sort parce qu'on a compassion. Forgiveness is something that comes out because we've got compassion. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Et quand il est venu, il s'est jeté au pied de son père. Il met down. Son père lui a dit, ne tue pas. Et tu ne seras jamais serviteur. Lève-toi. Stand up. Entre. On le lave. On lui fait porter la robe. Ce qui est important, ce sont les attitudes. Comment il a parlé. How he spoke. Il a parlé avec humilité. He spoke with humility. Et son père l'a pardonné. And the father forgave him. Il l'a remis dans sa position. Put him back into his position. Parce que mon frère, tu veux que Dieu te restaure. Restore you. Réponds-toi. Repent yourself. Réponds-toi. Repent quand on parle de la repentance, je ne parle pas seulement du péché. Je parle de la repentance. Quand tu suis un autre chemin qui était le chemin de Dieu. When you go in, follow a different path. Quand tu commences à conduire ta vie par tes propres moyens. When you start leading your life. Quand tu mets Dieu de côté. When you put God aside. Bien, nous commettons des péchés. We do commit sin. Parce que les gens quand on parle du péché, quelqu'un dit Seigneur, j'ai commis le péché. Souvent, en tant que pasteur, tu pries, Seigneur, j'ai commis le péché. As a pastor, Lord has sinned. Okay, prier, did you listen to that prayer? Father. That's why I'm telling you. A man will always be a human being. See, for, forgiveness because he sinned. And those days of self-watching money. Did he beat her? What did he do? Maybe he fell. Pourquoi c'est un homme? Quand vous voyez quelqu'un venir auprès de toi, when you see somebody coming to you, dis que même le pasteur c'est un homme. Say the pastor is still c'est un homme dangereux. That's a dangerous person. Comme dans la vie, si on veut tuer quelqu'un, ça vient. Life, dans la vie, il y a des choses qui arrivent. There are things that happen in life. Vous savez, celui qui a tué Thomas Sankara. Do you know who killed Thomas Sankara? C'est son ami intime qui connaissait tout. That was his best friend that knew everything. Mais il l'a tué. But he killed him. Si quelqu'un veut te tuer, if someone wants to kill quand quelqu'un commence à faire valoir tes faiblesses, when they start bringing up your weaknesses, pour justifier tes bêtises, to justify their, il est prêt à te tuer. They are ready to kill you. Repentance. Il n'a pas demandé d'abord, Seigneur, mais comment tu peux être béni? Pendant que tu te réponds pas. How can you be blessed when you don't repent yourself? Hein? Tu entres aussi dans la présence de Dieu simplement comme ça. You just go like that into God's presence. Seigneur, bénis-moi. Lord, bless me, please. Je sens que c'est ma saison. I'm feeling this is my season. C'est la saison de la repentance, bien sûr. It's a season of repentance. Où tu dois rentrer sur les pieds de Dieu. Where you have to go back to God, Jesus' feet. Réveillez-vous! Wake up! Réveillez-vous. Wake up. Où sont les gens avec le cœur repentant? Where are those people with heart full of repentance? Où sont les gens qui, lorsqu'ils voyaient que les choses ne vont pas, ils rentraient, ils pleuraient devant Dieu? Those that used to go back to God and cry. Où sont ces disciples-là? Where sont
frères de Jésus. We've become Jesus' elder brothers. Nous sommes devenus, Dieu est devenu comme notre grand-père. God has become our great father. Comme nous voyons les petits enfants comme ils jouent avec les grands-pères. As we see small children playing with the grand-père. Et c'est de la même manière qu'on considère Jésus maintenant. On considère Dieu. That's the way we see God now. Il y a des gens qui n'ont plus la crainte de Dieu. Our people no longer have the fear of God. On s'habitue à Dieu. We get used to God. Pour raison, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. He's a God full of mercy. Dieu est un Dieu de miséricorde. He is God of mercy. Mais il est aussi un feu dévorant. He is a fire. Amen. Il est un feu dévorant. He is also a destroying fire. Faisons attention à ça, mon frère. We should be careful, brother. Repentance. Dis avec moi, repentance. Repentance. Diminue les choses. Descends. Calm down. Baisse la teneur. Reduce the speed. Dilue de l'eau. Put water. Ça va diluer la teneur. Si c'était 17%, mets de l'eau. If ça devient oh. Put a lot of water. Ça va t'aider. That should help you. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il dit. That's why he said. Réveillez-vous. Wake up. Ivrogne. Drinkers. Et pleurez. And cry. Frère, dans l'église, les gens ne pleurent plus. In the church, people are not crying anymore. Ils sont devenus des yeux de mon pape. They've come with big eyes open like. Les gens ne pleurent plus. People don't cry anymore. Un jour, j'étais à la maison. I was at home one day. Ma fille me pose la question, pourquoi tu pleures? My daughter asked me, why do you cry when you pray? Je sais pas quoi, j'ai dit, je sais pas comment t'expliquer. I said, I don't know how to explain. Quand tu grandiras, tu comprendras. When you grow up, you understand. Parce que pour elle, ce n'est pas normal que son père pleure dans la présence de Dieu. It's not normal for the si je l'explique, c'est la présence de Dieu, ne va pas correct. If I explain to her, that's God's presence, she will not understand it. Il y a des gens, on voit seulement les pleurs lorsqu'on les escroque l'argent. There are people that only cry when they've been stolen money. On voit ces pleurs. They see they cry. Lorsqu'il y a un problème. When there's a problem. Et surtout des fois, quand je rencontre des filles là. Most of the time when I meet those girls. Son boyfriend l'a chassé. Boyfriend has broken up with the boyfriend. Why? Because he left me. Who? Who left you? My boyfriend, Alingala chez nous, lorsqu'on parle d'un boy, quand on parle d'un boy, Alingala, ça veut dire domestique. Maintenant, il fait encore de son boy, domestique homme. I mean houseman. Si je parle à quelqu'un, la bonne tasse, vous buvez un vin gémissé. You drink of God. And God, je ne serai pas entré trop dans même le dimanche prochain, je vais revenir là-dessus. Mais je voulais seulement dire, I just want to say, Dieu veut que nous puissions nous repentir. God wants us to repent ourselves. Prendre conscience de ton état. Become conscious of your state. Est-ce que tu es vraiment au niveau que Dieu voulait? Are you really at the level God wanted you to be? Vous allez voir que les chrétiens ont perdu la joie de vivre. Christians have lost the joy to live. Même quand vous voyez les gens venir à l'église. Even when you see people coming to church in the morning. Les gens venir à l'église. Now people, so tired people. Vous savez, je vois les églises. Même quand ils rentrent à l'église. Even the way they enter into the church. Vous savez, que celui-ci vient, c'est parce que Daddy va appeler ses deux baptistes. He's coming because if they don't come, I'll call them. Mais le matin, quand ils vont au travail. When they go to work in the morning, full of energy. Avec énergie. Mais viens, viens, viens. When they come to church, so tired. Pastor, hallelujah. When you greet them, they just wave back. Quand ils chantent. When they say sing, as if they don't want to. They don't want to. Et surtout quand tu as un modélateur qui est trop exigeant. Ma soeur, tu ne chantes pas. Especially when the leader says you don't sing. Laisse-moi tranquille, toi fais ton travail. Leave me alone. Les autres font même ça. Dieu regarde le cœur. I just say God looks at the heart. Vous le laissez tranquille. Just for you to leave him alone. Ma sœur, mon frère, nous devons avoir ces cœurs-là. We must have et Dieu, quand il parle de la repentance, and when God speaking il ne veut pas qu'on puisse déchirer les vêtements. Mais il veut que tu déchires ton cœur. We want you to rip your heart. Pourquoi? Why? Parce que le cœur, c'est le siège de tout.
Because that's the seed of everything. Nous devons rentrer à l'évangile de la simplicité qui ramenait les gens auprès de Jésus. We have to go back to the gospel that used to bring back people to Jesus. Mais arrêtons un peu d'embrouiller les gens. Quelqu'un qui sort de l'église, il est troublé. Comment il va voir? Stop troubling people. Somebody coming out of the church with a lot of trouble. Il vit à l'église entre guillemets pour les révélations. Tu lui donnes il venait de sortir, ok. Il sort, il rentre, il commence à chercher dans Google. Out, knocked out. Dans Google, qu'est-ce qu'il avait dit? Searching on Google. What did they say? Simplifier les choses. Let's simplify things. Ramenons les gens à la repentance. Quand quelqu'un se répand, when they repent, ils déchirent son cœur. They rip their hearts. C'est qu'ils ouvrent carrément son cœur. Open their hearts. Dieu écoute. God listens. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, that things for which in life, tu n'auras pas le temps de prier. You never have the time. Mais si tu es correct avec Dieu, but if you are correct, Dieu va te bénir sans demander. God will bless you without you asking. Ça veut des fois on passe le temps, Seigneur bénis-moi. Sometimes you c'est une bonne prière. Bless me. Mais des fois ce sont des prières inappropriées. But sometimes it's inappropriate prayers. Parce que si tu fais tout, because if you do everything, la Bible dit, the Bible says, si tu obéis, if you obey, à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. La Bible n'a pas dit. Si tu demandes, mais même si tu obéis, il y a des choses qui s'attachent à l'obéissance. Donc l'obéissance. Obedience. Déchire ton cœur. Rip apart your heart. Je ne dis pas de prendre le couteau et déchirer ton cœur. I'm not asking you to use the knife and the stuff. Mais je te dis d'ouvrir ton cœur. I just want you to open your heart. Je me pose la question. Asking myself a question. Si tu caches à Dieu tes problèmes, if you hide your problems from God, maintenant tu vas dire à un homme. Now are you going to tell a man? Allô. Amen. Allô. Amen. Si j'étais en train de parler, tu serais élevé, tu serais dans la joie. If we're talking about elevation, everyone. Mais quand je parle, il faut vous repentir. When I say you should repent, everyone is so sad. Je suis content quand même quand vous sortez triste. I'm happy if you go outside. Parce que Jésus-Christ, des fois, quand les gens venaient, sortaient tristes. Il y a des gens bien-aimés qui n'ont jamais accepté Jésus parce qu'il les a énervés. Et pendant qu'il écrivait, when he was writing that, vous savez ce qu'il écrivait? When he was writing, venez lire. Si tu n'es pas un public, frappe là. If you know, public. If you never done it, frappe. Si tu n'es pas escroc, frappe là. If you don't, c'est-à-dire, chacun voyait sa part. Il regarde, je suis impliqué. Il regarde, je suis volé quoi. Jusqu'à ce que, quand Jésus s'est levé, il a regardé, il n'y avait plus personne. Est-ce qu'il avait parlé? C'est pourquoi il a dit, toi aussi ne pêche pas. Il y a la réponse dans la Bible. Et le jour où tu vas retrouver cela, ça te fait mal. Tu rentres. Comme le dit Abel. As Jésus a guéri, neuf sont partis. Il n'y a qu'un seul qui est revenu. Only one came back. Pour dire, Jésus dit, ah, so où sont les neuf? Where are the nine others? Tout la moussia, ça, ça sont partis. Right, il n'y a pas honte. Si tu sais quelqu'un, if you know that tu as fait du mal, you've done that to someone. Go and meet them. Demande pardon. Seek forgiveness. Ça ne change rien. It changes nothing. Allô? Ça ne change rien. Ça n'enlève rien en toi. It takes nothing away from you. Go and seek forgiveness. If it depends on you, sois en paix avec tout le monde. Be in peace with everyone. Je dis, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Cherchez la paix. Poursuivez la paix. Gardez-vous saint. Répandez-vous. Changez de voix. Demande à Dieu pardon. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Pardonne-moi. Parce que les niveaux, nous voulons partir. Quand quelqu'un ne se répand pas, tu vas rater les choses. Pourquoi je dois rater? À cause d'un seul problème. Et en plus, ce n'était même pas de ta faute. Église, alléluia. Église, alléluia. Je n'attends pas. Église, alléluia. Église, alléluia. Frère, parle. Brother, speak. Dans l'église. Church. Je suis venu demander pardon. Frère! Pas comme ça. Come to seek for forgiveness. Tu es devant Dieu. You are in front of God. Attention! Careful. À la colère de Dieu. God, hunger. Frère, parle. Speak, brother. Comme je l'avais demandé. As I told you to do. Église, alléluia. Church, alléluia. Moi que vous voyez. I, as you see me. Je suis le frère menteur. I'm a liar. A brother. Je suis un ludique. Et aujourd'hui, today, je viens devant l'église.
pour confesser mon péché. Et quand il parle, quand il termine, les pasteurs se lèvent. Église, alléluia. Vous voyez ce fait. Un mauvais fait. On voit qu'il était bon. Un petit. We thought it was a good brother. Un petit. Le frère que vous voyez. The brother you see. Église. Je vais vous poser la question. I'll ask you a question. Est-ce que vous acceptez? Do you accept? Comme pardon c'est un petit. For us to forgive him. Pour le remettre à l'église. To bring him back to church. L'église va voter. The church will vote. Quand l'église dit oui. When the church says yes. Frère. It's a brother. Maintenant on peut prier pour toi. Now we can pray for you. Le ciel va s'ouvrir. The heaven will be open. Agenouille-toi. Knee down. Commence maintenant à prier. And start praying. Et quand tu te lèves. And when you rise. Frère. It's a brother. La prochaine fois. Next time. N'essaye pas. Don't try. Sinon, on va te livrer à Satan. We'll deliver to the devil. La prochaine fois, quand le frère va le faire. Next time when the brother does. Fuir l'église. We'll run away from the church. Vous fermez la porte de la repentance. Je ne dis pas qu'on doit encourager. I'm not saying mais vous fermez la porte de la repentance. But you shut the door for parce que la vie elle est compliquée. Because life is so complicated. Amen. Amen. Je vais vous dire un secret. To give you a secret. On ne pêche pas. You don't sin. Parce qu'on a peur d'être suspendu. Because you want to be suspended. Mais on ne pêche pas parce qu'on aime Dieu. And we don't sin because we love God. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu. It's God qui nous empêche de faire autre chose. That stops us from doing some things. Parce qu'il y a des autres qui font mais qui se cachent. Because there are people doing it but hiding themselves. Ils sont aussi bénis. They are blessed. Ils ont aussi des églises. They have churches. Mais pourquoi les autres ne font pas ça? Why do others not do it? À cause de l'amour de Dieu. Because of the love they have for God. L'amour de Dieu nous préserve de tout. The love we have for God preserves us. Quand tu aimes Dieu, tu n'auras plus de mains, tu n'auras plus de pieds. You're no longer gonna have feet or legs. Tu ne vas pas rencontrer les mamans mimi. You're not gonna meet Maman Mimi. You're not going to even accept their call. Tu ne peux même pas accepter son appel. You're not even respond to their call. Non, les Congolais sont bizarres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.